On est sur ce plateau pour en parler. Patrick Ruet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental adjoint de Force ouvrière territoriaux. Concrètement, FO va voter une grève illimitée à partir du 12. On ne connaît pas encore la position d'FO. Non, on n'a toujours pas donné notre position. Mais effectivement, le 12 au matin, avant la manifestation, notre commission exécutive va se réunir. Et nous allons donc poser la question à nos 88 sections professionnelles de la suite à donner au conflit. Donc, bien entendu, l'hypothèse qui vient d'être évoquée n'est pas à écarter, loin de là, elle est de plus en plus chaude, d'autant plus qu'on l'a vu dans votre reportage, il semblerait que les secteurs d'activité s'enflamment un peu de partout. Donc grève illimitée, vous le dites ce soir. Nous on dit plutôt grève jusqu'au retrait. Parce qu'il faut savoir pourquoi on fait grève. Nous, on est clair et net depuis le début. On veut le retrait de la réforme des retraites. On ne veut pas amender la réforme des retraites. Donc grève illimitée jusqu'au retrait. On fera un consensus là-dessus, au bruit. Jean-Claude Mailly souhaite, lui, une grève générale, comme en 1968. Est-ce que vous pensez qu'on tend vers cela aujourd'hui ? Mais il faut aller vers cela. D'ailleurs, je suis un peu choqué quand j'entends dans votre reportage quelqu'un qui dit « c'est aux gens de décider ». Oui, c'est aux gens de décider, mais c'est aux organisations syndicales également de prendre un peu leurs responsabilités. Et pour que les gens décident, il faut que les organisations syndicales proposent. Nous avons proposé, par l'intermédiaire de Gérard Dossetto de l'Union départementale, à tous les syndicats du département à partir en grève sur les Bouches-du-Rhône pour pouvoir entraîner le reste de la France. À ce jour, on attend toujours les réponses. Merci beaucoup Patrick Ruet. Secrétaire départemental Force ouvrière chez les territoriaux, donc grève illimitée votée dans les prochains jours. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal.